Aujourd'hui, nous sommes le réveillon de Noël et j'espère que tu passes de joyeuses fêtes de fin d'année. Je te retrouve pour une séance de yoga qui va te permettre de te mettre dans de bonnes conditions pour ces fêtes de fin d'année. Alors, je te retrouve tout de suite sur le tapis, dans la posture du tailleur. N'oublie pas, si tu as besoin de mettre quelque chose en dessous tes fesses, des briques de yoga ou éventuellement des petits coussins, pour être plus à l'aise et pour totalement te relâcher au niveau des jambes, tu peux les insérer donc comme ceci, en dessous tes fesses. Moi, j'ai décidé de mettre deux coussins pour être vraiment à l'aise. Ensuite, tu mets tes jambes en tailleur, les talons vers le pubis, les genoux vers l'extérieur. Tu es bien assis sur tes ischions, les os de tes fesses, donc tu écartes la chair de tes fesses pour bien reposer sur tes os. Ton dos est droit, ta nuque allongée, menton légèrement rentré, les mains sur les genoux, les bras totalement relâchés. Tu as un fil qui tire ta nuque vers le ciel, un fil imaginaire. Et tu te relâches complètement dans cette posture du tailleur. Tu fermes les yeux et tu prends quelques instants pour te concentrer sur ta respiration. T'enfermer dans ta bulle de sécurité et de bienveillance. Et passer un moment pour toi, rien que pour toi. Tu t'enfermes dans cette bulle, seule ma voix pénètre pour te donner les instructions et tout le reste s'évapore, tout le reste n'existe plus. En ces temps de fin d'année, parfois on est pris dans un tumulte, un tourbillon. Et prendre ce moment pour soi permettra de passer un meilleur moment avec les autres. D'être là à 100% dans le moment présent avec les gens qu'on aime. Donc bravo de prendre ce moment pour toi. Ok, à l'inspiration, tu vas ouvrir les yeux délicatement, monter les mains vers le ciel. Tu t'étires, main vers le ciel, et à l'expiration, main droite sur le sol, main gauche en diagonale vers la droite. Et tu remontes au milieu à l'inspiration, et on fait pareil de l'autre côté. Tu souffles et tu remontes à l'inspiration. Allez, encore deux fois, tu étires bien tout le flanc gauche en te basculant vers la droite. Tu reviens au milieu. Allez, encore une fois de chaque côté. Fais-le à ton rythme, vraiment sur le cycle de ton souffle naturel respiratoire. Ne force pas ta respiration. Donc si tu vas plus lentement, tu peux prendre le temps. Si tu vas plus vite, tu fais des mouvements supplémentaires. Ok, tu reviens, main sur les genoux. À l'inspiration, tu vas tracter tes genoux vers l'extérieur, remonter le pubis vers les talons. Rapprocher les omoplates, éloigner les épaules des oreilles, lever légèrement le nez et le menton vers le ciel, cambrer le dos et à l'expiration, tu t'arrondis. Tu regardes ton nombril, tu rentres le nombril dans le ventre. Et à l'inspiration, tu te redresses, dos cambré, tu regardes vers le plafond, les omoplates rapprochées, les épaules loin des oreilles. Et on refait encore deux fois, dos arrondi, tu rentres le nombril, tu arrondis le dos, tu regardes tes pieds ou tes talons. Inspiration. Tu te redresses et à l'expiration, tu t'arrondis. Ok, tu vas ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur, donc jambe tendue, tandis que la jambe droite reste fléchie. Et là, on va faire pareil qu'en début de séance. Tu vas poser ta main gauche devant ton genou gauche, monter la main droite au ciel. Tu étires bien la main droite dans le ciel à l'inspiration et à l'expiration, tu essayes de te pencher vers la gauche. Tu étires tout le flanc droit et tu peux ramener les orteils vers toi, pied flex, pour étirer toute la jambe gauche. Et tu reviens au milieu et on recommence encore deux fois. Et peut-être qu'à chaque expiration, tu iras un peu plus loin. Si tu n'arrives pas à poser la main ici, tu peux aller vers l'extérieur ou même poser ton coude ici, au niveau de la cuisse. Le principal, c'est d'avoir vraiment la jambe tendue et d'étirer le flanc. Ok, tu reviens au milieu, tu reposes la main droite au sol,
Tu ramènes la jambe gauche pliée et tu tends la jambe droite. Et on va faire pareil de l'autre côté, pied flex, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Tu poses la main droite soit devant, soit à l'arrière de ton genou droit. Inspiration, main gauche vers le ciel, tu étires tout le flanc gauche et tu bascules à l'expiration vers la droite. Tu étires bien, tu sens bien l'étirement au niveau de l'ischio, de l'adducteur, peut-être aussi au niveau du mollet. Et tu remontes et tu redescends. Tu remontes et tu redescends. Ok, essaye de garder bien le buste ouvert vers l'avant. Ne sois pas vraiment arrondi comme ça. On veut vraiment ouvrir l'épaule vers l'arrière. Donc quand tu fais le mouvement, essaye de regarder plutôt derrière ton aisselle. Ok, et on revient. Cette fois-ci, on va ouvrir les deux jambes. Tu peux enlever les briques ou les coussins sous les fesses si tu en avais. Pas besoin d'ouvrir les jambes trop grand. Tu peux les avoir légèrement fermées ou encore plus ouvert, ça c'est selon ta souplesse, mais surtout il ne faut pas qu'il y ait de douleur, il faut que tu sentes un léger étirement mais pas de douleur. À l'inspiration, main vers le ciel, tu te grandis, tu te souviens du fil qui est dans ta nuque et qui tire vers le ciel, tu alignes ta colonne vertébrale et à l'expiration, tu bascules un petit peu vers l'avant. Je ne te demande pas de te coucher sur le sol, juste tu bascules vers l'avant, nombril vers les cuisses ou vers le tapis. Toujours pied flex. Et là, ça doit tirer tout à l'intérieur des jambes. Tu peux poser les mains dans le sol. Et si tu peux, à chaque inspiration, tu poses dans le sol, tu tends tes bras, tu te grandis. Et à chaque expiration, avec tes mains, tu essayes d'aller un petit peu plus loin vers l'avant en marchant avec tes doigts dans le sol. Et peut-être que tu vas pouvoir poser tes coudes. Allez, inspiration, tu te grandis. Expiration, tu marches avec tes mains pour aller un petit peu plus loin. Inspiration, tu te grandis. Expiration, va un peu plus loin. Ok. Allez, on reste un petit peu comme ça et on va arrondir le dos. Si tu as besoin de briques en dessous de tes mains, tu peux mettre des briques ou des coussins. Sinon, tu poses tes coudes dans le sol. Et tu tends tes orteils. 3 cycles respiratoires comme ça. Prochaine inspiration, tu poses en tes bras, tu te grandis. Tu ramènes la jambe droite et la jambe gauche dans la posture du tailleur et tu vas basculer à 4 pattes. Allez, tu es à 4 pattes, épaules, coups de poignet alignés, nombril serré, le dos est droit. Et là, tu vas à l'inspiration creuser le dos. Regardez vers le ciel, fesses vers le ciel. Et à l'expiration, arrondir le dos, pousser dans tes bras et ramener les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Et on va faire des mouvements de vague comme ça, dos arrondi, puis dos creusé. Et on revient sur les fesses, dos arrondi. Essaye d'utiliser ton souffle naturel, ton cycle respiratoire naturel. Inspiration, tu remontes. Tu expires, tu reviens dans la table. Inspiration, tu creuses. Expiration, tu reviens dans la table. Inspiration, tu pousses dans tes bras. Et à l'expiration, tu reviens dans la posture de l'enfant. Inspiration, tu pousses. Expiration, tu es dans la table. Inspiration, tu creuses. Expiration, tu reviens dans la table. Inspiration, tu pousses dans les bras. Expiration, fesses sur les talons. Super. Inspiration, tu reviens dans la table. La main gauche reste au sol, tandis que la main droite va monter vers le ciel. Pardon. Tu ouvres bien le cœur. Tu fais une légère torsion vers la droite pour étirer un petit peu les abdominaux. Et à l'expiration, tu vas passer ta main en dessous l'épaule gauche, poser l'épaule droite au sol, à côté de l'oreille. Tendre si tu peux. La main gauche, enfin le bras gauche, ou alors le laisser à côté de ton oreille droite. Là, tu vas voir les hanches qui vont avoir tendance à pousser vers la gauche. Donc là, fais attention, on remet bien les fesses parallèles au sol. Donc, tu as le bassin qui est parallèle au bord avant du tapis.
Donc tu peux pousser dans ton genou droit pour ramener la fesse droite au niveau de la fesse gauche. Et là, tu es en torsion et tu respires dans cette posture. Prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras, tu reviens dans la table. On fait pareil de l'autre côté. Inspiration, main gauche vers le ciel. Tu regardes peut-être derrière ton aisselle ou vers ta main gauche. Tu étires tous les abdominaux. Tu pousses fort dans ton bras droit et à l'expiration, l'épaule gauche se pose sur le sol. La main droite à côté de l'oreille gauche ou le bras droit tendu. Et là, pareil, tu vas ramener les deux fesses parallèles au bord avant du tapis en poussant dans ton genou gauche pour revenir les fesses entre elles. Parallèles entre elles, pardon. Ok. Tu respires dans cette posture. Et à l'inspiration, tu pousses dans ton bras droit. Tu reviens dans la table. Tu vas marcher avec tes mains pour basculer ton pubis dans le sol. Donc tu marches avec tes mains vers l'avant du tapis et ensuite tu bascules le pubis dans le sol. Les bras sont tendus, tu éloignes les épaules des oreilles et si ça te fait trop mal aux lombaires, tu reviens le buste dans le sol en pliant les coudes. Tu peux rester comme ça si tu veux dans la bébé cobra ou tu peux tendre les bras si c'est confortable pour toi. Le principal, c'est que les épaules soient bien éloignées des oreilles, les omoplates rapprochées, le pubis dans le sol, les fesses décontractées et les jambes tendues. Ok, tu pousses dans le sol et tu viens dans la posture de l'enfant. Tu crochettes les orteils à l'arrière, tu pousses fort dans tes bras, tu vas lever les genoux du sol et monter les fesses vers le ciel pour te retrouver dans un chien tête en bas. Allez, c'est Noël demain, donc on va aller un petit peu plus loin que d'habitude dans les postures. Le chien tête en bas, le dos est bien droit, la nuque allongée, tu pousses fort dans tes bras, tu éloignes tes épaules de tes oreilles. Tu peux avoir les genoux pliés ou les talons au sol tant que tes fesses sont vers le ciel et que tu fais un beau V inversé. Et là, on va étirer un petit peu la chaîne postérieure comme en début de séance. Tu vas appuyer ton pied gauche dans le sol, mettre le poids réparti entre tes mains et ton pied gauche et lever la jambe droite vers le ciel. Essaye de ne pas ouvrir la hanche et de garder la hanche bien parallèle au sol. Et tu redescends. Et on fait pareil de l'autre côté. Inspiration, jambe gauche vers le ciel. Et le poids est bien réparti entre les mains et la jambe droite. Tu n'ouvres pas trop la hanche, tu la gardes parallèle au sol. Et tu redescends. Allez, on recommence. Pied droit vers le ciel. Et on repose. Puis pied gauche vers le ciel. Et on repose. Ok, maintenant on va passer. Pied droit vers le ciel, tu plies le pied droit et tu vas passer le genou entre les deux mains à l'avant. Le pied gauche va être vers la main droite, tandis que le pied gauche va être vers la main gauche, pardon, tandis que le genou droit va être vers la main droite. Tu poses le genou gauche dans le sol, ta jambe gauche est tendue, ta jambe droite est fléchie, tu es dans la posture du pigeon. Et là, soit tu mets des briques et tu te maintiens comme ça en essayant à chaque expiration de ramener un peu plus la fesse droite vers le sol, en étirant tout le pubis et le psoas vers le sol. Soit tu décides d'aller un peu plus loin dans la posture en posant les coudes. Ou la tête, ou les deux. Allez, à chaque inspiration, on se grandit. À chaque expiration, on ramène un petit peu de souplesse dans la hanche droite. Et à la prochaine inspiration, tu remontes sur tes mains si tu n'y étais pas déjà. Tu poses la fesse droite au sol. Tu bascules la jambe gauche à l'avant. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Tu prends ton genou droit dans la main gauche. Tu vas basculer le pied à l'extérieur de la jambe gauche. Entourer ton genou droit avec le bras gauche. La main gauche est donc sur la cuisse droite. Tu vas mettre ta main droite au sol. Pousser dans la main droite, grandir ton dos. À l'inspiration, tu allonges la nuque comme s'il y avait toujours ce fil au-dessus de ta tête. Et à l'expiration, tu vas tracter ton genou gauche vers la gauche, tandis que ton buste va tourner vers la droite. Alors, tu dois toujours respirer confortablement dans cette posture. Et à
chaque expiration, tu tournes un peu plus si tu le peux. Tu dois sentir un étirement au niveau de la fesse, de la cuisse. Et tu dois avoir une torsion au niveau des viscères. Ton dos et ta nuque sont allongés, tes épaules loin des oreilles, ton bras droit pousse le sol. Et ton genou gauche est tracté par ton bras gauche, ton genou droit pardon, est tracté par ton bras gauche vers la gauche. Et tu relâches la posture. On va changer de jambe. Jambe droite tendue, jambe gauche fléchie, tu passes le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, tu attrapes ton genou gauche avec ton bras droit. Ta main droite sur ta cuisse gauche, ta main gauche dans le dos, ton bras étendu, tu allonges le dos, tu allonges la nuque. Tu inspires et à l'expiration, tu tractes le genou droit vers la droite, tandis que le buste se tourne vers la gauche. Tu peux regarder derrière toi si c'est confortable. Sinon, tu peux regarder devant. Tu sens vraiment un étirement au niveau de la fesse, un petit peu de la cuisse, et tu fais vraiment une torsion de ton buste. Ok, tu relâches. Donc là, je te propose de basculer ton genou gauche dans le sol. Donc tu vas retirer le croisement de ton pied gauche avec ta jambe droite. Tu vas ramener le pied gauche au niveau de ton genou droit, donc à l'intérieur. Ensuite, tu bascules, tu fais une torsion vers la gauche et tu te retrouves les mains dans le tapis. Genou droit vers la main droite, puis genou droit vers la main gauche. Tu as le bassin parallèle au sol et tu vas ramener ton pied droit vers la main droite. Tu poses genou droit au sol, la jambe droite est tendue et là tu es dans le pigeon, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Comme tout à l'heure, soit tu as des briques ou un coussin, soit tu poses tes coudes, tes avant-bras, ta tête dans le sol. À l'inspiration, tu grandis, tu ramènes de l'air dans ton corps. Et à l'expiration, tu relâches les tensions. Tu desserres les dents si tu as la mâchoire crispée. Tu ramènes de l'air au niveau de la hanche gauche. Ok. Prochaine inspiration, tu pousses dans tes bras. Tu crochettes tes orteils à l'arrière au niveau du pied droit et tu tends la jambe droite. Tu ramènes ton genou gauche entre tes deux mains. Et là, tu vas pousser fort dans tes bras, fort dans ta jambe arrière, lever les fesses vers le ciel et monter la jambe gauche vers le ciel. Tu as le poids bien réparti sur ta jambe droite et tes deux mains. Chien, tête en bas à trois pattes. Et ensuite, tu reposes le pied gauche. Ok. Donc, soit tu as les genoux fléchis, fesses vers le ciel, dos droit, nuque relâchée. Soit tu as les talons dans le sol si c'est confortable. Allez, prochaine inspiration, tu vas plier les genoux et faire un petit saut ou marcher jusqu'à tes mains. Ok. Une fois que tu es les pieds au niveau des mains, tu vas écarter les pieds plus larges que la largeur du tapis et basculer les fesses dans le sol. Les mains sont en prière devant le cœur et les coudes à l'intérieur des genoux. Allez, prochaine inspiration, tu vas mettre la main gauche au sol, main droite au ciel. Tu regardes ta main droite et tu reviens au milieu à l'expiration. Et tu fais pareil de l'autre côté. De l'autre côté, prochaine inspiration, main gauche vers le ciel, main droite dans le sol. Et on le refait encore deux fois. On essaye d'avoir un dos droit un maximum. Si tu dois être sur les orteils parce que c'est plus confortable, tu peux être sur les orteils. Allez, encore une fois, de chaque côté. Pense bien à le faire sur le rythme de ton souffle naturel. À l'inspiration, je lève. Et à l'expiration, je reviens au milieu. Inspiration, je lève. Expiration, je reviens au milieu. Super. Et maintenant, tu pousses dans tes mains qui sont dans le sol, tu lèves les fesses vers le ciel, tu ramènes tes pieds largeur du bassin, tu es dans la posture de la pince, la nuque est totalement relâchée, les épaules aussi, les bras vers le sol. Si tu as des briques de yoga, tu peux poser tes mains sur les briques de yoga si c'est plus confortable.
nombril vers les cuisses, dos totalement arrondi. Et là, tu vas entourer tes coudes avec tes mains et tu vas basculer coude gauche vers l'avant, puis tu reviens et coude droit vers l'avant. Et on bascule comme ça en faisant le pendule. Ok, tu peux relâcher. Prochaine inspiration, tu vas mettre sur tes mains sur tes tibias, tendre les jambes, tendre les bras. Allonger la nuque vers l'avant, regarder bien face à toi, le tapis, tu es en dos droit, tu rentres le nombril. Tu relâches et à l'inspiration, tu plies les genoux et tu remontes le buste, tout doucement, vertèbre après vertèbre. Tu enroules les épaules vers l'arrière, tu remontes la nuque, la tête, tu regardes droit devant toi, tu es dans Tadasana, la posture de la montagne. À l'inspiration, main vers le ciel, tu attrapes ton poignet gauche avec ta main droite, tu bascules vers la droite. Poignet gauche avec la main gauche, poignet droit pardon, avec la main gauche, tu bascules vers la gauche. Et à l'inspiration, tu reviens au milieu. Tu relâches à l'expiration et on recommence encore une fois. Inspiration, main vers le ciel. Poignet gauche avec la main droite, tu bascules vers la droite, tu reviens au milieu. Poignet droit avec la main gauche, tu bascules vers la gauche et tu reviens au milieu. Inspiration. Tu remontes les mains vers le ciel, tu montes sur tes orteils en équilibre. Et à l'expiration, tu vas poser les talons, plier les genoux, basculer les bras et le buste vers l'avant et souffler par la bouche. Alors, on recommence encore deux fois, tu remontes. À l'inspiration, vertèbre après vertèbre. Fin de l'inspire, tu montes les mains vers le ciel. Tu montes sur tes orteils. Et à l'expiration, tu bascules vers l'avant. Allez, encore une fois. Tu montes sur les orteils et tu expires par la bouche. Ok. On remonte tranquillement. Tu vas mettre les mains en prière devant le cœur. Prendre le temps, en fermant les yeux, d'observer les sensations. Qu'est-ce qui a changé entre la première minute de cette pratique et maintenant? Au niveau de l'état d'esprit, au niveau des tensions, au niveau des émotions, au niveau du corps. Et quand tu auras répondu à toutes ces questions, je t'invite aussi à prendre un moment pour te remercier, ressentir de la gratitude pour tout ce que tu fais pour toi au quotidien et ce bien-être que tu t'es apporté aujourd'hui. Profite de ces moments de bonheur, de partage en famille, pour être dans le moment présent, ressentir de la gratitude pour ces moments partagés. Sur une prochaine expiration, tu vas baisser ta tête vers tes mains. Et à l'inspiration, tu vas ouvrir tes yeux, reprendre connaissance de ton environnement. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je te souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On se retrouve le 31 pour le réveillon du nouvel an avec une nouvelle séance de yoga. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. Namasté.